Salut les gens, c'est Tardarine. On se retrouve pour la suite de notre série avec Feu la Bourgogne et maintenant la Lotharingie. Et notre objectif, c'était d'avoir une héritière qui s'appelle. Enfin, une héritière. Oui, une héritière, mais même une souveraine qui s'appelle Marie. Et du coup, j'ai pris une grosse décision. Vu qu'on a du prestige à revendre. Eh ben, on va déshériter notre héritier qui est de légitimité faible. Alors c'est un peu risqué, peut-être que j'aurais dû attendre le prochain. Mais bon, l'Empire, en vrai, on s'en fout maintenant. Donc maintenant qu'il est parti sur les bonnes bases, on pourra redevenir empereur à peu près quand on veut. Donc c'est vraiment pas un problème. Donc, c'est parti. Ciao, bye bye. Advienne que pourra. Plus on est dans une guerre, donc si besoin est, on peut remonter notre prestige. Intégration de l'Autriche, partisan du empereur. Alors, de la légitimité, du prestige. Ah oh bah oui. Oui, de la légitimité et du prestige. Le prestige, c'est bien, donnément. Hop, on a fini un siège. Alors, qu'est-ce qu'on doit aller savater encore? Ah tiens, j'avais des troupes ici, moi. J'avais même pas fait gaffe. Ah bah, c'est les troupes de l'Autriche. Refus de payer les impôts. C'est où cette fois? C'est à Bruges. Mort de notre diplomate. Alors, bouge. Efficacité commerciale, réseau, efficacité commerciale. Quelle efficacité commerciale, c'est naze tout ça. On va en virer quelques-uns. Il me faudrait. Un qui fait de l'amélioration des relations. Et paf, on lui impose la religion, on lui détourne le commerce. Enfin, on transfère la puissance commerciale. Voilà, hop là, dégage. Un hérétique de moins. Alors, ici. Amélioration des relations. Parfait, viens. Niveau 2, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de plus pour l'instant. Ah, mais la Suisse, elle est de la bonne religion. Si j'avais su. Alors lui, est-ce que je peux lui faire relâcher des trucs? Je peux lui faire relâcher la Hongrie. Est-ce qu'il a bien toutes ses terres dans l'Empire? Oui, allez, vas-y, on va te faire relâcher la Hongrie. Être parfait. Hop, moins 5, moins 5, on prend. Canon de cuir, canon sur pivot.
Il accepterait tout de suite. Il accepterait aussi de redonner tout son pognon. Allez, ça nous suffira amplement. Révolution agricole, production comme toujours, alors Ratisbonne. Demander la paix, répat de guerre, transfert de puissance. Ensuite j'aurais dû prendre un peu plus de prestige. On a quasiment fini cette guerre, c'est parfait. Voilà, elle est finie. Alors, un à Dijon, un à Auxois, un à Paris, un à Chartres. Voilà. Alors non, on va commencer par toi, demander la paix. Ok, il veut pas plus. Bah ok. Et voilà. Ça fait des états en plus. Cité libre, 56 états, 5 princes hérétiques. Boum. Et évidemment, il a fallu qu'il devienne de la mauvaise religion. Hop là. Et nous, on va lancer l'annexion de la France. Est-ce que... Cœur de 10 en absolutisme, soulèvement de 22 régiments de séparatistes en Mansberg. Allez, j'achète. Marchand calomnié par les Ottomans. Méchant. Alors là, c'est forcément un héritier, ça m'intéresse pas. J'aimerais avoir un event pour avoir une héritière, moi. Alors à ma mort, il va se passer quoi? Un Trastamara. Excellent. La Suisse sur le passage, oui, vas-y. Aide impériale, ok. Les aléas du négoce, ok. Plus un mercantilisme. Des fanatiques catholiques. Incroyable.
Fonctionnaires déloyaux. Je déteste cet événement. Allez hop, c'est parti, toi tu viens chez moi. 340 points, parfait. Plus il n'est pas dans l'Empire. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais intégrer toutes mes provinces. Ça rapporte plus du tout de points, mais... Alors, qui me déteste? Hambourg. On va essayer d'améliorer les relations avec lui. Si en vrai, on va juste aller lui casser la gueule dès qu'on aura l'occasion. Parce que j'ai une revendication sur lui. Pépin. On va le déshériter. L'empereur est malade. Est-ce que ça, je le relation diplomatique plus 2? Non, on va le garder pour l'instant. Tant qu'on a des vassaux. On a la Styrie. Alliance garantie avec 30, ça je peux arrêter. Je m'en fous de lui maintenant. D'accès des militaires de Constance, j'accepte. En guerre contre le Danemark? Oula, oula, oula. Dismar et Constance. Ah, c'est fâcheux. Thuringe, qu'est-ce que t'as fait? T'as bouffé Anhalt. Non, tu vas la rendre. Est-ce qu'il va la rendre à la bonne personne? Ça, c'est toute la question. Ça se trouve, il va la refiler à Magdebourg au lieu de la refiler à... Non, c'est bon. Thuringe maintenant et il s'attaque à Brunswick. Ah, j'en connais un. Il va devoir souffrir. Ah, bah il a récupéré cette province là. Elle était peut-être légitime, faut dire. Thuringe. Recouvrir une province illégale de Göttingen. Non, ça sert à rien. Accepte. Ça a été donné à Milan. Ok. Alors les alliés, plus besoin. Et je voulais dégager 30, moi.
J'ai peur qu'il se fasse bouffer. Allié au pape et à l'Écosse, aussi ça devrait aller. Les manufactures, c'est pas tombé chez nous. C'est tombé à Ulm, ouais, ça va, c'est pas loin. Alors ici, sécuriser les Pays-Bas, moins 2 d'agitation locale, évolution mensuelle de l'autonomie, moins 0,10. Tada! L'autarragie de Tomil, le commerce de la Manche. Eh bah, on en est loin. Il faudrait que je tabasse l'anglais. Pas trop envie. Eh, j'avais pas un héritier à dégager, moi. Comment ça, je peux pas le dégager? Comment ça, je peux pas le dégager? C'est vraiment honteux. Foi! Oh, c'est loin en plus. Ah, merci. Franchement, je suis bien. Alors on va gentiment attendre, normalement on devrait plus être bien loin de la fin de la cour LPI. Et on va profiter pour réentraîner ces armées là. On tente la chance, j'irai même pas vérifier si j'ai perdu ou pas le point. Pire, dans 9 ans, je peux aller le redéfoncer pour lui mettre la bonne religion. Et je crois qu'il est toujours allié à Brême. Ce qui serait vraiment parfait, parce que lui aussi, je dois lui mettre la bonne religion. J'ai combien de villes libres? Et 10. Je sais pas si c'est le max.
Ansbach. Trente-six sur cinquante. Trente-huit sur cinquante. Excellente diplomatie, 10 de prestige, ouais, on prend. Fin des hostilités entre la cour et le pays. Tada! 15 de prestige, 20 d'absolutisme maximal en plus. C'est bon ça! Ce qui nous amène à 110, ce qui veut dire que je vais pouvoir faire quelques petits ajustements. Alors, nation commerçante, moins 5. Ah bah, c'est à cause de ça. Enfin, parce que je le dégage à un moment d'ailleurs. Oh, quoi que je peux le garder maintenant, c'est plus un problème. La grosse question, c'est est-ce que je reprends des choses qui font des points ou est-ce que je conserve cet absolutisme fifou? Je ne sais pas, j'hésite. Nous verrons. Constance, Constance, Constance. Influencer. Ce pays n'a pas de dette, c'est bien dommage. Alors, Munich. Ah oui, Munich, tu vas rendre pas saut, oui. Punaise, il l'a rendu à Salzbourg. Oh, il y avait une nation là avant. Ça s'appelait pas saut. Tu avais le droit de lui rendre. C'est pénible. Alors ça, c'est pénible de pas pouvoir choisir à qui tu rends le truc. Il dirigera. Non, il dirigera pas, non. Des rebelles ont traversé la frontière. Tout ça pour les faire massacrer bêtement. Allez, au revoir l'héritier. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent me faire transférer? Ah, je peux faire un partage de connaissances? Mais non. Les hospitaliers? C'est fou. Cheyenne, Chimou, Whiskas, Sochon, Wichitas. Ouais, ça sert à rien. Sert à rien. Est-ce qu'il y en a qui veulent détourner leur commerce? Oui. Le Danemark. Le Oldenburg. Verden.
Master. Leap. Alors, de cette histoire ici, c'est pas un réductionnel qu'il me faut, c'est du prestige. Ah oui, le Danemark, tu vas rétrocéder. Il l'a filé en bourre. Oh là 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 là. Mais quand je vous disais que c'était mal fait ce système. C'est pas grave, hein, j'irai le libérer ensuite, mais putain, ça craint. Intégration de la France. 30 veut s'allier, j'en veux pas. Tac 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant maintenant? Tiens, j'ai 10 navires ici. Et bah 7 qui servent à rien. 3 qui vont s'améliorer. Pouf, 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 pouf. Oh, j'ai pas vraiment besoin d'intégrer. J'ai pas besoin d'intégrer cette nation. Que fait Tunis ici? Oh! J'ai une revendique sur Florence. Bon, on va aller chercher du prestige. Là-bas. Ici. Voilà.
Ordre restauré chez le Ming. Est-ce que j'ai un truc là-dedans qui me filerait du prestige? Que dalle. C'est bien dommage. Alors, niveau navire, 57, 59 sur 67. Je peux pas en faire 10 de plus. Alors, frégate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je suis au max. Diplomatique contre la Bretagne. Alors là, ça me fait ni chaud ni froid. Alors, Magdebourg. Erfurt. Ça va libérer personne, donc on s'en cogne. Ah, la bohème sert à quelque chose, donc si lui fait de la merde, on ira le récupérer. Est-ce que avec 0 ça passe? Ouais, je suis de 0. Voilà, tu t'en vas. Bien, sur ce. Florence, on va te déclarer la guerre. On va rien vraiment te faire, mais c'est pour le principe. On va te faire relâcher un tas de trucs. Et je me demande si j'ai un CB sur lui, ça serait vraiment pratique. Ah, j'ai pas. C'est dommage. Ouh, ce stack wipe. Oh bah on est à 34 minutes là d'épisode. Un philosophe refuse de coopérer. Perte de 1 en stab ou perte de 10 en prestige? Je... Conseiller administratif quitte la cour. Non! Est-ce que j'en ai un autre qui fait du prestige? Est-ce que j'ai plein de pognon pour en retrouver un? Oui. Ou alors?
le petit trick. C'est vraiment honteux de faire ça, franchement. Il devrait pas y avoir le droit. C'est de la manipulation. Allez, direction le cerf. Ah mais non, j'avais dit que j'arrêtais parce qu'on est à 35 minutes d'épisode. Donc j'espère que cet épisode vous sera plu. Là, on est vraiment, vraiment désespéré de réussir à avoir une petite héritière qu'on puisse la baptiser. En plus, ce serait tip top. Donc on verra ça au prochain épisode. J'espère qu'il ne nous en restera pas trop à faire, parce que j'aimerais bien que ça ne dure pas trop longtemps. C'était pas très intéressant de déshériter des gens et de trouver une héritière. Enfin bon. À très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.